Bonjour à tous, je m'appelle Clara Galerne, j'ai 18 ans, je suis en bachelor business et je suis la présidente du bureau des étudiants. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Albrook, j'ai 24 ans, je suis actuellement en PG20 et je suis vice-président du bureau Elixir. Pourquoi est-ce qu'on a repris le BDE? Tout simplement parce qu'on a envie de vous faire kiffer sur toute l'année, mais aussi de vous accompagner et c'est une association très importante dans l'école, c'est pourquoi ça me tient beaucoup à cœur. Et pour ma part, c'est juste que je pense que c'est une expérience incroyable, que ce soit personnellement ou même professionnellement. Alors, si j'ai fait une qualité, je pense que je serais sociable. Moi, je serais ambitieuse. Si j'étais un animal, je dirais le lion parce que c'est mon signe astrologique. Moi, je dirais le berger allemand parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus mignon qu'un lion. Si j'étais une période de la journée, je dirais le soir parce que j'adore regarder le coucher de soleil à la plage de la concurrence. Alors, je dirais aussi le soir, mais je pense pas pour la même raison. Si j'étais un des 5 éléments, je pense que je serais le feu. Et moi, je pense que je serais l'eau. Si j'étais un événement particulier, honnêtement, je mets un joker. Et moi, je pense que je serais la coupe du monde. Si j'étais un homme ou une femme célèbre, je dirais Emma Watson, parce que c'est une femme très engagée, et aussi parce qu'elle a joué dans Harry Potter, et j'adore Harry Potter. Et moi, je pense que je serais David Guetta, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir mettre ça à tout monde. Si j'étais une chanson mythique, je dirais La Soupe aux Choux. Moi, je dirais Blue d'Abadi de FL80. Si j'avais un super pouvoir, j'irais me téléporter. Super. Moi, j'aimerais bien de ne jamais être fatigué et de ne pas pouvoir dormir, parce que je vous avoue que 24 heures de c'est trop court. Alors, il faut savoir qu'on nous a préparé plein d'événements sur toute l'année. On espère vraiment pouvoir les faire malgré la situation sanitaire. Mais on n'a pas envie d'être seulement une agence d'événementiel. On a aussi envie de vous accompagner autant dans votre vie étudiante sur le côté court que dans votre vie étudiante sur le côté perso. Et on vous a préparé plein de belles surprises. Et puis bah, pour finir, nos ambitions, donc effectivement, tout ce qu'elle peut vous dire Clara, que ça passe aussi par de l'intégration. Mais pour faire simple, on sait qu'on sort de deux années très compliquées, que ce soit pour nous ou aussi pour vous. Et puis, pour résumer, le but c'est de vous faire kiffer tout au long de l'année et qu'à la fin de l'année, vous ressortiez avec plein d'étoiles dans vos yeux.